qui m'a permis de choisir ce métier d'architecte, à proprement dit, c'est la première, je dirais, sensibilité, la première découverte, c'est la création, c'est-à-dire c'est le monde qui est voué à une création, à une œuvre. Alors effectivement, ce qui peut nous distinguer des peintres ou des sculpteurs, c'est que l'architecte, c'est avant tout un acte de bâtir, de construire, mais c'est aussi une profession très généraliste, très large, dans laquelle on peut avoir différentes spécialisations. Et ce qui m'a vraiment le plus intéressée, c'est rendre utile ce qui est agréable, ce qui est esthétique, ce qui est harmonieux. Et ayant développé depuis ma tendre enfance cette imagination dans le domaine de la création, ça m'a vraiment donné l'envie de pouvoir persévérer cette compétence dans quelque chose d'utile et surtout utile pour les autres. Donc, faut savoir que l'architecture est aussi un art social. On construit pour les autres, on bâtit pour les autres. Donc, c'est ça qui m'a vraiment donné l'envie de pouvoir faire ce métier. C'est-à-dire, c'est vraiment la création liée à une grande imagination, la création artistique quelque part, sensible, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, à une démarche un peu plus terre-à-terre, un peu plus, je dirais, carrée, scientifique, puisque quand on est architecte, il faut également faire des calculs, faut connaître des matériaux, faut savoir prescrire les bonnes solutions. Souvent, on nous appelle, voilà, on est ceux qui règlent les solutions à différentes problématiques. Donc, il faut savoir jongler entre une sensibilité, une approche imaginative, créative, et tout en étant ancré dans la réalité des choses, c'est-à-dire les calculs, les coûts, les besoins, pour pouvoir réaliser et créer. Donc, c'est cette association entre ces deux approches scientifiques et artistiques qui m'ont donné cette envie d'aller de l'avant, et bien évidemment toute la richesse culturelle et interculturelle que j'ai pu avoir en vivant à l'étranger et en côtoyant des personnes de différents horizons et de différentes cultures et origines. Donc ça permet d'enrichir encore plus ce background pour pouvoir choisir cette discipline. Je dirais que pour le style architectural, c'est très difficile de le définir à proprement dit, puisque l'architecture ou le paysage qu'on propose sur les projets, c'est une architecture intégrée, c'est une architecture intelligente qui est parfaitement en intégration avec son environnement et qui essaye de réduire son impact sur l'environnement tout en pensant à restaurer les ressources qui sont disponibles ou non, comme la ressource en eau, comme l'air, comme par exemple la biodiversité. On n'en parle pas souvent. Donc pour nous, c'est très important de s'attacher à ce type de cible environnementale pour pouvoir s'engager et les restaurer sur les sites que nous créons, nous proposons. Donc, en matière de style, c'est un style propre à chaque paysage, propre à chaque localisation, et qui s'adapte parfaitement à son environnement. Ceci étant, on peut retrouver un peu une façon de concevoir et une façon de réfléchir sur les matériaux qui pourrait dire ou en tout cas conclure que AR Architect, la société que je gère, a une forme de style au niveau de sa méthodologie et de sa façon d'intervenir sur les projets. Je dirais là, on est plus sur de la matière grise et on est sur de la méthode de travail. Mais en termes de résultats, l'objectif, c'est qu'on soit le plus discret possible et le moins impactant. C'est-à-dire, on n'est pas là justement pour faire des gestes architecturaux, pour dire, voilà, on veut s'imposer. Ce n'est pas du tout le but, et ce n'est pas non plus le but de s'effacer. L'idée, c'est de trouver un juste équilibre entre les besoins du client, ce que le site peut nous offrir, et ce que nous pouvons proposer comme réponse. Et c'est là où on se rend compte que si on pense bien un projet en amont, et qu'il est mené main dans la main avec le client, le maître de l'ouvrage, et les partenaires autour de la table en équipe, il n'y a pas de raison qu'au niveau de l'exécution des travaux, ce projet ne soit pas en parfaite harmonie
avec ce qu'on a pensé et proposé en étude. Donc, c'est cet équilibre-là qui fait que, bien évidemment, c'est notre entière satisfaction. C'est-à-dire qu'il y a une mission première, c'est la mission vers l'environnement d'une manière générale, puisque l'environnement est une problématique planétaire. Et c'est une problématique croissante et actuelle. Mais plus particulièrement sur ces pays-là que je connais, à titre personnel, oui, c'est un engagement. Et c'est une forme de mission de prendre son bâton de pèlerin et d'aller sur place pour dire, voilà, on va prêcher la bonne parole en vous montrant qu'il est possible de faire différemment. Comme on l'a fait en France, on a ramené des gens sur les sites, on leur a montré que c'était possible de le faire. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans les pays qu'on connaît encore plus et plus en profondeur. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre et faire en sorte que les décisions puissent être prises. Donc c'est plutôt positif, on va dire. Mais ça prend du temps, faut savoir. Alors, le revers de la médaille, c'est de se dire que bon, c'est pas des choses qui peuvent avancer très vite. Alors déjà en France, c'est très lourd pour qu'on puisse faire avancer des décisions au niveau public, puisqu'on travaille beaucoup avec les collectivités et les marchés publics. Alors quand il s'agit de faire avancer aussi des décisions sur des politiques, par exemple, enfin des décisions politiques sur des choix stratégiques, sur des projets dans les pays du Golfe ou du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord, ça prend un peu plus de temps. Mais je pense qu'on y arrive sûrement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on récolte un peu les fruits, je dirais, de ce beau verger qu'on a essayé de semer sur place, sur un beau projet sur lequel mon agence travaille, donc au Qatar. C'est l'ambassade de France, la future ambassade de France au Qatar, qui est un petit peu les fruits d'aller sur place, de rencontrer des gens, de les convaincre, de rencontrer des partenaires, de faire savoir le savoir-faire de l'agence. Et ben ça a donné naissance, je dirais, 6 ans plus tard, à ce beau projet qui a l'image de la vallée ou de l'oasis dans un monde désertique.